Et les gars, je viens d'arriver dans un nouveau village. Et comme vous pouvez le voir, regardez celui-là. Et ben, il y a des magasins chelous, comme dans la dernière vidéo, tiens. Mais sauf que là, regardez, c'est pas des restaurants, mais c'est juste des magasins normaux, genre des Leclerc et des Lidl, quoi. Et moi, les gars, je vais me faire une place parmi tout ce game. Et du coup, regardez derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit enclos à vendre. Bonjour, monsieur. Wesh, la famille, ça dit quoi? Je vais bien. Et vous, monsieur? Bah, tranquille, on est là, hein. Ah ouais, et c'est votre terrain, vous le vendez? À vendre pour une émeraude. Ouais, je le vends, ça y est, j'ai fini avec les stups, c'est terminé. Et tu peux pas me le donner, mon fraté, non, moi je connais la langue. Si c'est pas comme ça. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Je viens de Marseille ici, hein. On rigole pas, hein. Tu veux que je te nique ta race ou quoi? Non, mais pardon, ok, je vais trouver une émeraude. Oh, donne l'émeraude et tu prends le terrain, c'est ouais, bon. Ouais, je reviens. Mais les gars, ce villageois, il est malade mental. Il a dit qu'il venait de Marseille. Franchement, à Marseille, vous êtes chaud de night, hein. Mais du coup, maintenant, les gars, il faut que je trouve une émeraude. Bon, en vrai, ça va pas être compliqué à trouver. Petit coffre, mais voilà, parfait. Une petite émeraude, et c'est quoi ça? Amélioration niveau 1. Ok, on dirait un espèce de petit bouton chelou. On va voir ce que ça fait après. Mais en attendant, on va aller voir le petit monsieur. Coucou monsieur, vous êtes tout gentil, vous. Je vous ouais, adore. Tu reviens pour que je te show out ou quoi? Qu'est-ce que tu veux là? Non, non, je t'achète ton terrain, c'est bon là. Ah, là on parle, mon ami. C'est bon, le terrain il est à toi. Ah, et du coup, vous me passez la clé pour faire apparaître le magasin comme dans le dernier épisode ou pas? Et tu as cru la vie c'était un kiwi ou quoi? Mais quoi? Y a pas de magie ici. Quoi? Hey, c'est toi, tu construis le resto toi-même là. De le quoi magasin. Et mon gars, si tu veux construire là, tu vas acheter, tu vas faire tes petites courses au Lidl derrière. De quoi? Je vais t'apprendre à faire. Ah ouais. Et tu me casses pas les noises. Ok. Tu as compris? Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très aimable. J'adore ouais, votre style, votre langue. Ouais, par contre, suce doucement. Ok. En fait. Pardon, monsieur. Ciao. Du coup, les gars, je dois aller acheter des ressources dans le Lidl. Mais oh, what the fuck. Ah ouais. Ok, c'est pas du tout pareil que la dernière vidéo. Oh, mais c'est un truc de malade. Il y a carrément une arme à feu. What the fuck. Le Lidl vend des armes à feu. En attendant, attendez. Parce que là, j'ai vraiment plus de bouffe. Donc, je vais récupérer toute la paille de mon petit enclos. De toute façon, maintenant, c'est le mien. Ok, nickel. On va se faire une petite table de craft, tiens. Hop là, nickel. Là, les gars, je me fais beaucoup à manger. Donc, bref, du coup, il a dit que les ressources étaient à l'intérieur. Alors, par contre, je vois rien ici. Là, il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il me semble que c'est la terre cuite 64. Prix 4 émeraudes. Ah oui, ok, les gars, c'est pas du tout donné. Mais là, j'ai vraiment pas de thunes. Comment je peux faire? Faut peut-être que je trouve quelque chose. Et attendez, là-bas, j'ai l'impression de voir que. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi toi? Bah, je fais le guetteur, tu veux quoi? Bah, tu es de la police? Bah, ah monsieur... ah non, arrêtez! Je suis pas de la police! Monsieur, c'est mon terrain ça! Vous m'espionnez! Ah, tu l'as acheté? Bah oui, je l'achète à toi! Ah, mais tu me l'as acheté, hein, je suis trop con! Ah, j'avais oublié! T'es trop débile en fait! Je suis trop fada! Ouais, t'es trop fada! Laisse-moi tranquille! Ok, pardon. Bon, les gars, les villageois dans ce village, ils sont complètement tarés! Hein. Mais du coup, regardez, là-bas, il y a un petit truc vendeur d'émeraude! Qu'est-ce qu'il nous vend, le petit vendeur d'émeraude? Et boum! Oh, 32 blés contre 2 émeraudes! Et comme un débile, je viens d'utiliser tout mon blé pour me faire du pain. Je suis vraiment un débile mental. Mais bref, juste ici, il y a des bottes de paille. En vrai, ça va le faire. Hop là, rebonjour monsieur. Passez-moi toutes vos émeraudes, s'il vous plaît. Et j'en ai eu que 4. Oh, c'est trop nul. Hop là, allez, passez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît. J'en ai 10. En vrai, 10. Ça devrait suffire, non? Alors, la terre cuite, boum. 64. Teinte gris clair, 64. Oh, et j'ai pas assez pour la pierre et la roche lisse. Va falloir que j'aille reformer du blé. Ok, rebonjour monsieur le villageois. Boum, passez-moi toutes vos émeraudes. J'en ai combien? 4. Mais c'est rien du tout. Moi, j'en veux encore plus. Ok, j'en ai 10. Ça devrait faire l'affaire. Hop là, il me faut juste de la pierre et de la roche lisse. On peut directement commencer par nous faire la petite base de la boutique. On va la faire très simple, hein. Nous, on se casse pas la tête. Et ok, maintenant, on peut rajouter les petites vitres. Et voilà, nickel, les gars, regardez. Le magasin, il commence à prendre forme. Ça va être le plus beau des magasins, moi, je vous le dis. Et voilà, nickel. Bon, en vrai, là, vous allez me dire qu'il manque un intérieur. Mais je crois que ce petit bouton peut nous aider, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je crois que ce bouton, si je le prends, que je le pose juste ici, que je l'ouvre, et que, attention, je l'actionne, et bien, boum! Et voilà, nickel. Regardez-moi ça, un super magasin. Et techniquement, à l'intérieur. Oh, tout est joli, il y a des petits endroits stylés. On dirait qu'il manque quelque chose ici. Et juste là, il y a une petite trappe, et on va aller voir ça juste après. Et du coup, les gars, techniquement, je pourrais ouvrir le magasin. Et ben non, pourquoi j'ai une erreur? What the fuck? C'est trop bizarre, il devrait pas y avoir d'erreur, ça. Mais ça, je comprends pas. Oh, raté. Ouais. J'ai cru que c'était aussi simple que ça. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en vente les trucs dans le magasin. C'est pas en claquant des doigts, hein. Et pourquoi il faut? Tu vas devoir taper, mon pote, hein. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire quoi? Ah bah, tu vas devoir d'abord mettre en vente un minerai d'améthyste, lingot de diamant, ouais, un lingot d'or et un lingot de fer. Mais pourquoi? Mais c'est la règle ici, c'est la rue, tu connais. Eh, vas-y toi. Eh, vas-y toi, tu sors la calache comme à Marseille ou quoi? Désolé, désolé, je m'excuse. Je suis désolé, mon petit villagette. Ouais, embrasse-moi. Ça me va, c'est bon. Oh, hey, hey, c'est bon pas... Oh, je suis pas comme ça, moi. Parce que je t'aime bien, mais où c'est que je le trouve, tout ça? Ah, bah, tu sais, il y a des riches marchands dans la villa, là-bas, là. Ouais. Je peux aller chercher, trifouiller. Écoute, il n'y a pas les condés, tu vois ce que tu veux, hein. Moi, je regarde pas, j'ai
j'ai rien vu. Vas-y mon fraté, on se capte à tout à l'heure dans la zone. Vas-y si tu veux, je te vends des trucs. Hein. Y'a pas de soucis mon gars. Non mais c'est bon, t'inquiète. Allez, je vais chercher. T'inquiète pas, merci beaucoup. La farine. Eh, donc les gars, il a dit que tout se trouvait dans le village. Alors techniquement, par exemple, ici, est-ce que... Bon, il y a déjà des lingots de fer, donc on va prendre ça. On va aussi mettre, allez, la petite armure, tiens. On est tout beau maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que je vais peut-être trouver un petit truc? Et oh, bonjour. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, est-ce que vous avez de l'or? Je cherche un lingot d'or, s'il vous plaît. Non, tout ce qui m'intéresse, c'est les abonnés. C'est qui? Ils sont trop gentils. Ils sont trop beaux. C'est qui? J'adore tout ça? Riyad et Abdellah Lazareg. Oh, c'est intéressant. C'est mes préférés. Et en gros, c'est mes derniers abonnés. Oui. C'est ceux qui sont abonnés depuis qu'ils ont commencé à cliquer sur la vidéo. Oui, oh, ils devraient tous s'abonner pour être ici. Ah, mais voilà les gars, donc abonnez-vous tout de suite. En plus, on est bientôt aux 100 000, je crois. Je sais pas si on les a atteints. Mais en tout cas, je veux absolument les atteindre. Comme ça, eh ben, je vous offre beaucoup de choses. Vous allez voir. Du coup, vous, madame ou monsieur, vous avez un petit lingot d'or, s'il vous plaît? Madame, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je veux un lingot d'or, s'il vous plaît. Moi, ça m'arrange. Mais vous faites la manche? Mais non, mais c'est parce que je vais ouvrir un magasin là-bas. Et je vais être le meilleur magasin du monde. D'accord, alors je vais vous aider. J'espère que vous serez récompensé. Oui, vous inquiétez pas, madame. Merci beaucoup. Bon, allez, laissez-moi avec les abonnés. Oui. Regardez, les gars, même les villageois, ils vous aiment. C'est pour ça, abonnez-vous tout de suite. Je sais que vous hésitez, mais n'hésitez plus. Vous allez voir, je vais bien m'occuper de vous. Donc bref, où est-ce qu'il y a d'autres minerais, s'il vous plaît? Il me faut un minerai d'améthyste et un minerai de diamant. Il faut absolument que je trouve un petit coffre. Ici, il y a l'air d'y avoir un petit coffre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Boum! Éclat d'améthyste. Parfait. Et vous savez quoi? Pour le diamant, tout à l'heure, j'ai vu un truc. Alors, c'est à mes concurrents. Regardez juste là-bas. Il y a un diamant dans un item frame. Mais il faut juste pas qu'ils me voient. Donc attendez, vite fait, je vais faire comme ça. Boum! Je vole le diamant et vite, je repars. Et nickel, je vais poser tout ça ici. Petit diamant, un petit truc d'améthyste. Et ça, c'est parfait. Et donc maintenant, les gars, attention, je vais ouvrir mon magasin. Erreur! Mais what the fuck encore? Qu'est-ce que je dois avoir maintenant? Putain, mais les gars, je comprends rien. C'est trop dur. C'est plus dur que les restaurants. Mais tu comprends vraiment rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire là? Mais tu vois pas tous les magasins, ils ont une enseigne, ils ont de l'équipement, la caisse et tout là. Qu'est-ce que tu veux vendre sans tout ça? T'as raison. Gros, les gens, ils savent même pas ce que tu vends. D'accord, mais s'il te plaît, tu peux me passer 60 émeraudes pour que j'aille m'acheter tout ça? Parce que là, c'est un peu la galère, mais t'inquiète, je te rembourse mon sang. Tu as de la chance, on a beaucoup vendu. Hey, passe-moi ça, mon sang. Passe-moi les émeraudes. Ouais, merci, le Sancho bon, de la veine. Le sang, là, je décale, moi. Vas-y. Si tu as un problème, tu reviens, d'accord? Vas-y, hey. Si t'as aussi des problèmes avec la concu là-bas, on peut la niquer, ok? Vas-y, t'inquiète, je te rappelle. Hey, Joule. Oh, mon gars, ça c'est mon gars. Ouais, ça et c'est oui. Mon gars, ça c'est mon et gars. Et la kiffance de Naps aussi. C'est la kiffance. Oh, le défense. Mais les gars, ils sont complètement fous ici, mais bref. Alors du coup, il m'a dit de m'acheter des équipements. Donc je suppose que c'est juste ici, qu'est-ce que c'est? Une caisse, une émeraude, oh bah c'est parfait. Mais en plus c'est pas cher, un petit portefeuille et une petite enseigne. Donc les gars, l'enseigne, ça va être très simple, je vais la mettre juste ici. Waouh, ah oui, ok, l'enseigne, elle est vachement stylée. C'est moi qui présente une petite maison à un petit villageois, et il est complètement choc-bar. Bref, maintenant on va mettre la petite caisse juste ici, tiens. Et ensuite on va aller voir ce qu'il y a dans cette petite trappe. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et c'est des stocks. Ok, c'est sympa. Et du coup, attendez. Qu'est-ce que j'ai dans mon petit portefeuille? J'ai 57 émeraudes. D'accord, ok, bon. Maintenant, les gars, il est temps d'aller arnaquer les autres magasins pour agrandir le nôtre. Je sais que vous attendez ça depuis le début, donc c'est parti. On va essayer d'aller arnaquer celui-là. Donc, hop là, bonjour, monsieur ou madame. Oh, bonjour. Vous vendez quoi ici? Ça m'intéresse, je me suis installé juste à côté, je suis votre voisin. Oh, c'est une petite épicerie, on vend de tout. D'accord, des matériaux, okay. De la nourriture, des armures. Oh, intéressant, waouh. C'est vraiment bien, et il y a des voleurs. Oh. Vous pouvez reposer les articles. Désolé monsieur, je suis un peu malade en ce moment. Oh, qu'est-ce que vous avez? J'ai le Covid. Oh là là, oui, je vois, vous avez une sale tête. Oui. Hein? J'ai une sale tête, monsieur? Ah oui, oui, très sale. Très, très sale? Je suis mignon, moi, je trouve. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose pour un petit remontant? Non, merci, c'est bon, mais je viens juste voir tout ce que vous avez. C'est sympa, hein. Vous avez pas beaucoup de trucs, hein? Si, il y a des trucs dans... On a beaucoup de choses. Ah, oh, c'est intéressant, tout ça. J'aime bien. Ils sont plus là. Bref, monsieur... Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai très envie de faire caca à cause de ma maladie, du coup, je pars. Non. Est-ce que je peux y goûter, hein, le caca? Vous vendez du caca aussi? Vous mangez du caca? Oui, je goûte, c'est pour le goûter. Ok. Pour le mettre dans mon sandwich. Monsieur, vous êtes complètement fou. Je vais porter plainte et vous allez perdre votre magasin. Au revoir. Non, non. Non mais les gars, ils sont fous ici. C'est quoi ce délire? Un petit bout de caca. Non. Un petit bout de caca, monsieur. Monsieur, arrêtez. Partez de là. À la poêle. À la poêle. Mais ça fout. Avec des oignons. Non mais j'ai déjà essayé, c'est dégueulasse. Sortez de là.
Les gars, ils sont complètement fous ici. Bon, en attendant, moi, je lui ai tout volé. On va tout stocker ici. Boum, 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 boum. Du coup, ça, c'est parfait. Oh, le magasin d'à côté est à vendre. Bonjour, monsieur. Enfin, rebonjour plutôt. J'ai entendu dire que... Oh, vous voulez me donner votre caca? Non, pas encore. J'ai entendu dire que votre magasin, il était en vente. Oui, tous les articles se sont fait voler, alors. Quoi? Plus d'argent. Ah non, ah. Oh là là. Oui, les voleurs au bûcher. Ah oui, oui, les voleurs au bûcher, hein. Vraiment, oui. C'est pas bien. Et du coup, vous allez faire comment, monsieur? Moi, je vends le magasin. Vous le vendez combien? 50 émeraudes. Ah, bah attendez, je crois que ça tombe bien, puisque je crois que j'ai 50 émeraudes tout pile. Oh, est-ce que vous avez un petit peu de caca? Regardez-moi ça. Hey, j'ai pas de caca. S'il vous plaît, monsieur, on peut faire ça dans la rue là-bas. Non, mais discrètement à l'abri des regards. Mais vous êtes fous, vous êtes. Allez, sortez d'ici. Là-bas, il y a plein de caca, là, je suis sûr. Oh, c'est vrai, vous les avez vus. Quoique, attendez, monsieur, si vous me repassez mes 50 émeraudes, je peux peut-être vous faire un petit caca. Oh, un quaku caca. Eh oui, un quaku caca. Après, c'est alors, comme, c'est comme vous voulez. Oh, et merci. Bah, faites tenez ça dans le bol. Caca. Non, c'est ça, ça a l'air appétissant. Ah oui, alors attendez, je me cache parce que je suis un peu pudique. Tenez, monsieur, je fais un gros caca. Mais vous avez pété dedans, il est vide. Bon, ok, monsieur, tenez. Oh, il graine de caca. Oui, monsieur. Oh là là, les gars, ils sont fous là-dedans. Bref, il m'a repassé les 50 émeraudes que je lui avais passées. Et du coup, par contre, le magasin, il s'est pas fusionné avec l'autre. Donc je sais pas ce que je dois faire. Peut-être qu'il y a un truc dans le Lidl. On va aller voir ça et bingo, regardez. Améliorer magasin, ça coûte 48 émeraudes. Oh là 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 là. J'espère que ça vaut la peine, hein, puisque là, vraiment, c'est la catastrophe. Attention, les gars, est-ce que ça va marcher? J'espère que oui, je pose le truc ici. Et je vais appuyer dessus et boum. Oh, nickel. Les gars, regardez-moi ça, le magasin, il s'est agrandi. Grandi de fou. Attendez, mais c'est trop stylé, je kiffe. Wow, regardez ici, tout ça, ça s'est transformé en un espèce de stockage bizarre. Ici, j'ai toujours... Ok, j'ai toujours mes coffres. Mais là, on est vraiment plutôt bien, moi, je pense. Hein. Du coup, les gars, en vrai, moi, j'en veux plus. Puisque, regardez, le magasin d'or juste là-bas, il est gigantesque. Vraiment, c'est le plus gros magasin de tout Minecraft confondu. Mais du coup, ce magasin, ça a l'air d'être un magasin de pain. Du coup, on va aller voir ce qui se passe dedans. Bonjour, monsieur ou madame. Ouais, salut. Oula, qu'est-ce... Vous passez une bonne journée, qu'est-ce qui se passe? Bah alors il me flinguait, mec. Oula. C'est trop nul ici. Comment ça c'est trop nul? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais mec, on garde des trucs, on n'a même pas le droit d'y aller. Ah bon? Des trucs secrets, oh le chef, il veut rien me dire. Mais attends, mais ton... Je suis trop déprimé. Ton chef, il est fou. Moi, si tu veux, tu peux venir travailler pour moi. Ah ouais. Bah viens voir, viens voir. Je paye très cher. Eh, je me casse. Vieux plumeau. Hey, regarde, je viens de m'installer et regarde comment mon magasin, il est déjà très très beau. Waouh, j'ai envie de me suicider. Oula, alors non, ça c'est pas bien. Mais tu vois, par exemple, boum, on vend un gâteau. Mais ça me dégoûte les gâteaux. Je préfère manger des araignées. Des araignées? Et est-ce que tu veux manger un peu de caca? Mais mec, j'adore trop le caca. En fait, il fallait pas me proposer ça. Les gars, dans ce village, ils sont vraiment tous tarés, je comprends rien. Bref, tu veux travailler pour moi du coup? Ouais, je commence que. Ok, bah maintenant, tout de suite. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a dans la petite salle secrète là-bas? C'est la recette secrète du magasin. Oh. Mais il veut pas qu'on rentre. Mais écoute bien. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait un accès secret par le toit. Mais non. Si tu veux la voler et nous mettre bien, je peux t'aider. Et tu penses que ça fera couler le magasin? Si tu vends la même truc que lui, forcément. Ok, intéressant tout ça. Attends, mais tu sais quoi? Viens avec moi, suis-moi. Tu vas m'aider. Vas-y, à mort le patron. Alors, tu me dis qu'il y a une entrée secrète. Oh, intéressant. J'sais pas, c'est mon copain Bruno, il me l'a dit. C'est ça là, non? T'es déjà allé dans l'endroit toi ou pas? Mais jamais. Ok, viens, suis-moi. Fais pas de bruit. Non mais je t'avais dit de pas faire de bruit. Ok, attends, qu'est-ce qu'il y a? Oula, il fait très froid là. Oula là là là, c'est un petit jump. Je me les gèle. C'est un petit jump, attends. Mais moi j'ai un problème à la cheville, je peux pas sauter. Oula, fais attention, je crois que c'est de la neige poudreuse. Si tu tombes dedans, tu vas t'enfoncer et tu vas mourir. Non, mais t'es débile. Mais t'es complètement débile. Non, je vais mourir. Non. Les gars, on a perdu un employé. Mais c'est un débile mental, regardez, on voit le bout de son crâne. Le pauvre. Bon, nous les gars, ce qui nous intéresse, c'est la recette secrète. Faut pas que je tombe dans la neige, s'il vous plaît, vite. Ok, nickel. Je suis arrivé dans la petite salle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Oh, gâteau sacré. Ok, intéressant. C'est une recette de gâteau qui est secrète. Bon, on va retourner. Bon, on va ressortir d'ici, techniquement. Il devrait tomber en faillite. Et il y a toujours le cadavre de mon employé. Non, mon petit employé. Pire, je peux essayer de le rechoper peut-être. Hé, hey, Jean-Mi, je sais pas comment tu t'appelles. Viens! J'ai froid! Viens! Comment je remonte? Viens! Viens, essaye de grimper! Vite! Heureusement que...
Tu m'as donné du caca, ça m'a donné de la force. Ah bah oui, c'est ta tenue chaud. Ok, attends. On est allé partout sur ma gueule. Ah, c'est pour ça. Ça pue un peu. Oui, c'est pour ça que ça pue. Attends, viens, suis-moi. Sortir par là, hop, ni vu ni connu, nickel. Vite. Attends, tu sais quoi, on va mettre le gâteau sacré juste ici, boum. Je vais mettre gâteau sacré et boum, nickel. Techniquement, je pense que là-bas, ils vont tomber en faillite. Je sais pas toi. Je sais pas, mais ça me déprime. Je crois que je vais aller me tailler les veines. Non, arrêtez. Oh, nouvelle mission. Le magasin d'à côté est en vente. Parfait. Alors, on va aller voir le petit magasin. Normalement, du coup, je devrais tomber sur le patron, je pense. Bonjour. Oula. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux aujourd'hui. Wow. Ah oui, vous êtes... Oui, j'ai bien mangé. C'est un magasin de gâteaux, c'est pour ça. Vous êtes venu postuler, je manque d'employés. Non, mais monsieur, vous êtes en faillite. Ça a été mis dans le journal. Je suis venu pour vous racheter votre magasin. Mais je suis dans le déni. Ah. Toujours être heureux. Je déteste les employés imprécis. Non, monsieur, venez, arrêtez. Il faut accepter la réalité. Venez dehors. Je suis trop gros. Voilà. Oula, monsieur, je peux vous racheter votre magasin si vous voulez. Pour Oh, c'est mon rêve. J'attendais que ça. Me débarrasser de cette bricole. Pour 120 émeraudes si vous voulez. Oh, mais oui. Ça vous va? Oui. Ah oui, vous êtes pas très cher et... Oh, ah oui, j'ai fait beaucoup d'argent moi avec ma recette de gâteau. Oh, vous en avez une aussi? Ah oui, venez voir, regardez-moi ça. Ça c'est une super recette de gâteau hein. Je suis heureux d'avoir un concurrent comme vous. Ah bon, tenez monsieur. Normalement, là, il y a tout. Voilà, c'est nickel. Ah, vous êtes... Non mais quoi? Mais les gars, ils mangent tous du caca dans cette ville, c'est pas possible. Oh, par contre, regardez. Quand il court, il rebondit. Il est trop mignon. Bon, maintenant qu'on a acheté le magasin, maintenant qu'il est à nous, les gars, il faut qu'on s'achète une petite amélioration. 48 émeraudes. Et j'en ai pas assez, j'en ai que 17. Oh, c'est énervant. Du coup, faut que j'attende que mon magasin fasse de l'argent. 2 hours later. Oh, les gars, j'en peux plus. Ça fait au moins 2 heures que j'attends. Et attention, boum. Ah, ben voilà. Là, on a de l'argent. Là, ça fait plaisir. La petite amélioration, boum. Ça, c'est parfait. Techniquement, je le mets juste ici. J'ouvre le petit loquet. Et attention, est-ce que vous êtes prêts en 3, 2, 1, boum. Oh là là, regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Notre magasin, il est devenu gigantesque. Mais c'est un truc de fou. Je trouve que le patron de l'ancien magasin, il voit ça là. En plus, regardez, j'ai tout préparé. J'ai mis des gâteaux pour bien l'amadouer. Le petit gâteau sacré. Oh là là, mais ça donne tellement faim. Où est-ce qu'il est? Oh, il est là-bas. Monsieur. Monsieur. Oh non. Ah non, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez bien? Monsieur, c'est quoi ça? Non, monsieur, c'est quoi tout ça? C'est du caca? C'est mes derniers repas. Non, mais. Je n'arrive plus à m'arrêter. Monsieur, venez. Oula, arrêtez. Arrêtez. Monsieur, vous allez mourir si vous continuez. Mon humeur est une façade. Venez, venez. Venez, regardez, j'ai retapé votre magasin. Maintenant, c'est le mien, de toute façon. Oh, c'est plus le vôtre. Wow. Vous avez vu? Est tout est beau. Rempli de déprime. J'ai envie de mourir. Non, mais monsieur, arrêtez. Regardez, venez voir. Je vous ai préparé plein de gâteaux. Oh, sont-ils au caca? Oui, je pense. Oh, ça me fait plus plaisir. Et en plus, regardez ici. On a le gâteau sacré. Oui, j'avais le même, mais celui-ci. Personne ne le savait, mais il était rempli de ma diarrhée. Hein? Si vous l'avez fait de la même façon, il y a du caca dedans. De quoi? Non, oui. Mais moi, c'est une recette différente. Vous croyez quoi? Moi, je voulais pas voler, pas du tout. Monsieur, je dois retourner manger du caca. Sinon, je vais tomber en déprime. Ok, monsieur, au revoir. C'était un plaisir de vous rencontrer. Tenez, en guise de remerciement, je vous pète au visage. Hein? Ah! Mais sortez de là. Les gars, le villageois, il était fou. Je veux des habits. Arrêtez! Mais vous faites quoi, monsieur? Sortez de là, sortez de là. Sécurité. Ah, j'ai pas de sécurité. Sortez de là, sortez de là. Mais les gars, il est fou, il est fou. Je comprends rien, ce village. Je veux partir d'ici. Je vais tout racheter, vous allez voir. Déjà, attendez, là, j'ai quoi comme argent? Ok, j'ai tout ça. Les gars, il faut qu'on s'achète de la sécurité. Moi, je vous le dis. C'est sûr, il y en a dans le Lidl. Attendez, il y en a. Ok, non, pas là. Sécurité, parfait. 53 émeraudes, je m'en fous. Moi, je vous le dis, je vais en prendre. Boum. Et voilà, techniquement, boum. Sécurité, parfait. Toi, tu vas surveiller et s'il y a un gros qui vient, tu le dégages. D'accord? C'est bien. Bref, les gars, ici, regardez, y a un petit... Petit magasin tout kawaii, tout mignon. Et c'est aussi un magasin de gâteaux. Mais là-bas, regardez, il y a un magasin d'armes. Du coup, les gars, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et oh, intéressant. Déjà, tout est joli. Hey, monsieur, il m'a fait. Oula, oh, bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, c'est vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous teniez un restaurant de sushi avant, dans l'ancienne oui, vidéo. Oui, oui, oui. Oh, et maintenant, vous avez changé. Vous êtes un peu plus kawaii. Kawaii, baka. Baka. Que vous faites dans mon magasin? Quoi, Koubé? Qu'est-ce que vous voulez acheter? Je sais pas, mais oh, quoi? Vous vendez de la nourriture en or? Oui, et là,
or. Mais monsieur, vous êtes trop fort. C'est qu'on connaît Chilina Fight. Mais attendez, mais comment vous faites pour avoir de la viande en or? On signe la recette secrète de mon ancêtre. Ah, ok, intéressant. Bah, c'est trop stylé, franchement, moi j'aime bien. Mais vous la stockez où, la recette secrète? Juste pour savoir, hein. Je suis pas du tout un voleur, hein. Elle est dans ma cave. Mais elle est où votre cave, monsieur? T'as beau regarde pas. Ah bon? Oh, mais attendez, c'est pas cette porte ici? Eh, on regarde avec les yeux. Ok, pardon. Mais monsieur, déjà, faudrait un peu plus ouvrir les yeux. C'est raté. Non, bon, au revoir, monsieur. Je reviendrai peut-être plus tard. Ni hao. Ni hao. Ok, les gars, j'ai un plan. Déjà, les gars, on va voir si mon magasin il a fait encore plus de monnaie. Et oh, parfait. Mais j'ai vu que justement, regardez dans le Lidl, il y avait une petite potion d'invisibilité. Alors, par contre, je sais plus du tout où elle est. Je crois qu'elle est à l'étage. Nickel, elle est juste ici. Et ça coûte 27 émeraudes. Oh là là. Hop là, petite potion. On va aussi se prendre un petit seau de lait. Et là, les gars, je vais aller discretos dans le petit magasin de notre ami Shang-Chi. Par contre, les gars, faut pas qu'il me voit, donc faut faire très attention. J'ai un peu peur là. Où est-ce qu'il est? Oula, attendez, vite, je vais boire. Oula, ouh, oh, il m'a pas vu. Oh, nickel. Les gars, vite, il faut que je passe. Au secours, ok, il m'a pas vu. Je prends ma pause sur TikTok, continue à gérer le magasin. Oh non, les gars, il parlait à ses employés. Ok, j'ai un levier juste ici, c'est parfait. Vite, j'ouvre la porte, ok. Il m'a pas vu. Vite, je referme, nickel. Oh, c'est parfait, les gars, je crois qu'il m'a pas vu. Du coup, on peut boire notre petit seau de lait et boum. Oh là là, oh non, les gars, c'est un labyrinthe. Oh mon dieu. Mais pourquoi il a fait un labyrinthe dans son magasin? C'est quoi ce délire? Les gars, mais c'est impossible. Je suis trop nul au labyrinthe. Je sais pas du tout où je dois aller, moi. On va tout faire au hasard. Dans tous les cas, je pourrais y aller. Attendez. J'ai vu un truc là. C'était quoi ça? Pourquoi il y a du sang? Pourquoi il y a du sang juste ici? C'est quoi ce délire? Je pense qu'il a dû faire un labyrinthe pour pas qu'on trouve sa recette secrète. Mais le problème, c'est que là, du coup, c'est vraiment bien caché. Mais où est-ce que je dois aller? Allez, s'il te plaît, est-ce que c'est là? Et oui! Et du coup, qu'est-ce qu'il y a ici? Quoi? Pourquoi il y a des zombies? What the fuck? Attendez. Il avait bien dit tout à l'heure que c'était sa recette secrète ici dans son sous-sol. Alors pourquoi il y a des zombies? Oh les gars, je viens de comprendre. La viande dorée, ça vient des zombies en fait. C'est de la viande de zombies. Oh là 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 là. Mais les gars, ils ont... Oh! Hey, c'est de la viande de zombies. Oui, mais t'es malade, t'es un malade mental. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de zombies dans le village. Tout le monde se transforme en zombies. Ouais, c'est ma faute, je suis désolé. Mes ancêtres vont me punir. Mais c'était pour les émotes. T'es un malade mental. Ouais. T'es fou. J'ai une maladie. Mais faut les tuer. Ah bon? T'as quoi? Oui, je suis chinois. C'est pas une maladie, ça. Ah oui, je me suis trompé, pardon, mes ancêtres. Voilà, bon, donne-moi une épée, là. Il faut tous les buter, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. Mais c'est la viande que je cherche. Non, donne-moi une épée, allez, dépêche-toi. Allez, c'est du chemin. Voilà, mais, oh là là, t'as... Bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. Les erreurs, c'est humain. Mon katana. Ah, merci, ça c'est mieux. Mais t'es un grand malade, il faut pas faire ça. C'est à cause du caca que j'ai mangé. Quoi? Toi aussi? Un gros villageois m'a servi son caca. Un gros villageois, t'as dit? Intéressant. Il m'a bourré le cerveau au caca. Ça je comprends, c'est des gros caca. Ah mais attends, oui, c'était un gros villageois en armure bien, oui, bien stylé. Et après, il était tout nu. Ah. Il a fait la danse du caca. Ok, oui, je vois qui c'est, oui. Alors, ah, attention, il y a un bébé zombie. Aïe. Un petit enfant mort, il va nous manquer. T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas une grande perte. Et attention, le dernier zombie, boum, nickel, parfait, bon. Donnez-moi au moins la chair du zombie, oui, que tiens. Je la donnerai à mes chiens. Voilà. Puis que je mangerai mes chiens. Hein? Merci, arigato. Oui, arigato, mais avant, attends. Je te le dis, ton magasin là, il va couler. Donc, je te le rachète tout de suite avant que t'aies des histoires, d'accord? C'est vrai, mais ma maman, elle va pas être fière de moi. C'est pas grave, t'inquiète. Si tu veux, tu pourrais être employé chez moi. Oh, c'est vrai? Oui. Qu'est-ce que je pourrais cuisiner? Oui, tout ce que tu veux. Des sushis? Oui, bon. Des games? Oui, si tu veux, tu me le vends combien? Des mangas? Oui, tout. Des TikTok? Oui, tout. Des iPhones? Tout. Tu me le vends combien? Je le vends 50 émeraudes. 50? Ah, mais t'es pas cher, hein? Bah oui, c'est la qualité chinoise. Attends, t'inquiète. Hop, boum, 50 émeraudes, regarde-moi ça. Merci. Voilà. Bon, allez, maintenant, on déguerpit d'ici, par contre. Oh là là là. Tu m'excuseras, hein, mais j'ai la flemme de refaire ton labyrinthe tout pourri là, parce que c'est un peu long. Labyrinthe construit par les ancêtres de Shanyu. C'est qui? Non, pas cassé, c'est sacré. Bah, désolé, de toute façon, maintenant c'est mon magasin, donc tu dis plus rien. Hop, elle est où la sortie? Je bourrais. Mais arrête, allez, sors d'ici, c'est pas là. Je me suis perdu. Ah, nous voilà dehors. Bon, bah, du coup, tu peux déguerpir d'ici, hein. Maintenant c'est mon magasin, donc tu me le laisses. Je vous déteste. Oui, oui. Vous avez fait couler mon magasin? Oui, ça fait deux magasins que je fais couler. Rayon Pokémon. Oui, hein? Je vous hais. Oui, allez. Je vous déteste. Bon, les gars, maintenant pour améliorer notre petit magasin, il nous faut un amélioreur de magasin. Donc on reprend tout ça, boum, on achète ça. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Attention, dans 3, 2, 2 et demi, et boum! Et là, normalement, oh là 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 là, regardez-moi ça. Bon, il est pas
pas si beau que ça. Techniquement, il devrait être plutôt gigantesque, si je dis pas... Oh là là, ah oui, waouh. Oh, ça change. Oh, ça fait du bien. Regardez-moi ça. Et en plus, oh, j'ai encore la nourriture bizarre ici. Bon, c'est pas grave, mais c'est un truc de malade. Je kiffe. Merci Shang-Chi. Et du coup, les gars, attendez, le prochain magasin, c'est quoi? Un magasin d'armes. Ça m'a l'air très très bizarre tout ça. Si vous voyez ce que... Aïe. Mon nom, c'est Shang-Yu. Oui, désolé. Ne profanez plus jamais mon prénom. Oui, je suis désolé. Pour la colère du dragon, va t'abattre et vous faire cruncher le nez. Ok, pardon. Aïe. Hey, tu me tapes pas. Je fais du karaté. Mais c'est bon. Quand l'eau dort, le chinois se repose. Ok, j'espère. Du coup, voyons voir ce magasin d'armes. Déjà, il fait très très peur. Je comprends pas trop. Ok, il y a des draps sur les vitres. Très bizarre. Intéressant tout ça. Bonjour, monsieur. Waouh. Ah ouais. Ouais, salut. Salut. Ça va? C'est... Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? T'as bu? Oula. Ouais. Tu vends que ça comme arme? C'est pas beaucoup. Ouais. Moi, j'ai beaucoup. Ouais, de... ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais... T'es bizarre, toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, les gars, il sait pas parler. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Le secret est toujours bien gardé. Heureusement que personne ne l'a lire, découvert. Hein. Monsieur, ok. Tu m'as acheté ou tu casses? Moi, je me casse, monsieur. Casse-toi. Les gars, il est trop bizarre ce villageois. Mais je sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait sur le livre. Il y avait écrit que le secret était toujours bien gardé. Moi, je trouve ça très bizarre. Déjà, attendez. En fait, ce qui est bizarre, c'est que regardez, les vitres, elles sont cachées. Et derrière, il y a des blocs bizarres. Parce que les gars, on est bien d'accord que le magasin, il est immense. Mais pourtant, regardez, à l'intérieur, mais c'est petit. Je vois. Moi aussi je vois, monsieur. Bon les gars, je crois que j'ai un plan. Dans le Lidl, j'ai vu qu'il y avait des petites TNT. Par contre, attendez, je vais voir vite fait ce que j'ai dans la caisse. Waouh. Ah ouais. Bon, en vrai, vous savez quoi, je vais me prendre plein d'émeraudes. Vous savez quoi, je vais m'acheter une petite voiture, puisque en vrai j'ai les moyens. Je vais m'acheter aussi une arme, puisque on sait jamais. Contre le mec qui vend des armes, je pense qu'il est bien d'avoir des armes. Bien sûr, il nous faut des petites balles. Hop là, on va s'en acheter plein. Et j'ai plus d'argent. Mais nous les gars, ce qui nous intéresse, c'est ça. Un TNT et un petit briquet. Vous savez quoi, je vais prendre, tac tac, nickel. Et maintenant les gars, il faudrait que j'arrive à m'infiltrer dans le magasin. Mais pour ça, je pense qu'on va attendre la nuit. 2 hours later. Ok les gars, c'est la nuit. Il est temps pour moi d'accomplir mon plan. Alors attendez les gars, j'espère qu'il y a personne. Faut que je fasse très gaffe. Il y a pas l'air d'y avoir quelqu'un, parfait. Donc c'est quoi, on va faire péter le mur juste ici. Je sens qu'il y a des trucs, je sais pas vous, mais moi perso, je sens que ça nous cache quelque chose. Vite, oh mon dieu, il y a un truc. Pourquoi il y a des golems? Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Oula. Vous avez pas droit de rentrer là. Oula. C'est autorisé qu'au golem. Mais monsieur, aïe, vous êtes fou. On vous avait prévenu. Au secours. Barrez-vous de là, on est la sécurité. Vous êtes des malades mentales, pourquoi vous chantez en plus? Et on est des chanteurs. Ok, ok les gars, ils veulent pas me laisser rentrer. Mais je crois que j'ai un truc pour les contrer. Parce que regardez, juste ici, il y a écrit skin argent, 61 émeraude, donc c'est quoi? On va le prendre, je l'ai juste dans la main. Techniquement, si je fais un petit clic droit, et ben boum. Et voilà, regardez-moi ça, je suis tout en fer. Et du coup là les gars, je vous le dis, les golems, ils vont me respecter, et en plus, je vais chanter carrément. Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour messieurs, que venez-vous faire là? C'est autorisé que golem et aux villageois. Mais monsieur, regardez-moi, je suis en fer. Oui, je le vois bien et vous chantez bien. Oui. Alors que venez-vous nous rendre visite? J'ai entendu dire qu'il y avait un truc secret. Je veux le voir. Et vous voulez le dérober? J'en conclue donc que vous êtes un voleur. Aïe! Mais monsieur, je suis un gentil citoyen. Je devrais donc m'occuper de vous. Mais puisque vous êtes sympa, au garde à vous. Monsieur, je suis un voleur en fait. Non, aïe! C'est un mais faux sol. Pas bien. Faites un effort. Mais oui, c'est pour bait tous les voleurs. Vous m'avez feinté. Et monsieur, travaillez votre voix. Vous ne pourrez pas travailler pour nous. Quelque chose de lourd est requis. Il y a une plaque au fond. Il faut monsieur, donc. Monsieur, faites un effort de chant. D'accord, je vais faire un effort de chant. Il me faudrait une enclume, s'il vous plaît. Parce que c'est très lourd, une enclume, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je vous donne ça. Mais ne faites pas n'importe quoi. Vous inquiétez pas, je vais juste ouvrir cette porte. Parce que, oh, il y a un bloc vraiment très bizarre. Oui, je me demande bien ce que c'est. C'est ce qu'on nous a demandé de garder. Waouh. Et bien c'est une grelampe nacrée. C'est un bloc pas vraiment très ouf. Mais je suppose que ça doit être un truc de fou. Et bien vous pouvez donc le garder. Parce que si on garde de la merde, on s'en débarrasse. Vous inquiétez pas monsieur, je comptais le garder. Parce que maintenant je vais acheter ce magasin. C'est le patron qui va pas être content. Il va me fouetter et ensuite me tuer. Vous inquiétez pas monsieur, je vais être votre nouveau patron. Au revoir monsieur, c'était un plaisir. Au revoir monsieur et à la prochaine.
bisous bisous. Et les abonnés, abonnez-vous. Ok les gars, j'ai récupéré le bloc. Bon, je sais pas vraiment ce qu'il fait ce bloc. Je crois qu'il fait juste de la lumière, donc c'est pas vraiment ouf. Mais en tout cas, et bien boum, on va le poser ici. Et oh, le magasin voisin est à vendre. Intéressant. Vous savez quoi, le jour vient de tomber et on va directement essayer d'aller acheter le magasin. Oh, monsieur, monsieur, votre magasin il a explosé, monsieur. Ouais, il a tout pété. Mes golems chanteurs, ils m'ont dit qu'il y a un voleur, il est venu. Ah ouais, ils chantent vos golems? Ouais, tu sais, ils font toujours ça là. Nan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 
un petit peu long là, tu veux peut-être de l'aide. Ouais, je veux bien. Mais au pire, attends, regarde. Moi, j'ai une technique. En fait, regarde, je fais une petite table de craft, tu vois. Je pense que tu peux regarder dans ton inventaire. Ouais, ah, merci pour la pioche, mais regarde, moi, j'ai une meilleure technique en fait. Tu fais ça, tu prends une hache en bois, tu vois, tu sélectionnes là-bas, là. Ici, boum. Après, tu sélectionnes pourquoi pas là. C'est les minerais qu'il faut casser. Et le... tu fais slash slash cut et hop là. Ah. Eh oui, monsieur. Mais tu triches. Mais je triche pas. Ouvre-moi la porte maintenant. Je triche pas en tout, mais tu crois que tu vas me faire gober ça. Allez, pour la peine, je te casse la porte. Oh, waouh. Eh ouais, c'est ma grosse. Oh, et attends, je peux la récupérer. Oh, pomme dorée. Et vous savez quoi, je pomme vais la manger. Pomme dorée dans le backpack. Pomme dorée dans le backpack. C'est une ref, je connais ça. Ouais, ils auront dans 10 ans. Bon, bref, monsieur, moi je m'en vais. Bisous, bisous. Ah là là, les gars, vraiment, je suis refait. On a. Mais... ah arrêtez-vous. Monsieur. Monsieur, c'est une senpai, m'a fait une confidente. Non. Vous devez mourir. Aïe. Aïe. Monsieur, arrêtez. Arrêtez. Non, de toute façon, j'ai mangé la pomme de ouf du magasin là, hein? Donc c'est impossible que je meure en fait. Eh bien, dans ce cas, apprenez le ninjutsu avec moi. Bah. Faites comme moi. Ok. Aïe. C'était nul. Ah non, arrêtez. Ah.